Voilà Ryan qui doit gagner un premier set de 3 matchs pour évidemment resette Misotelou et peut-être gagner ce tournoi. Ça va être dur, il y a du travail. Et voilà, une finale 100% Street Fighter 4 en tag à Cross Tekken avec que du Capcom. On va avoir du Ryu, du Sagat, du Guile. C'est 100% old school. Et Misotelou qui counterpique l'ordre de ses persos pour éviter le match mirror. Oh là, il y a du supporter pour le japonais. Et cette grande finale qui va promettre d'envoyer du bois entre Ryan Hart et Misotelou. Avec Ryan qui a changé pour Ryu. Misotelou qui enchaîne tout de suite dans son playstyle à l'ancienne. Ça nique et il cherche le zoning encore. Ryan qui va pas se laisser zoner, qui peut charger évidemment le Hadoken pour lui donner les propriétés du X. Et le Tatsu pour tenter d'éviter le Sonic, ça va pas suffire. Pour l'instant, les deux joueurs à peu près à égalité. Misotelou avec le Guile, ça passe pas pour Ryan. Le Baim Karado, ça c'est dans la garde. Misotelou. Quand la Kizomir avec son Sonic, ça nique. Ah ok, et voilà, on est reparti dans un jeu Fireball War. Pour l'instant, qui tourne à l'avantage de pas grand monde. Ryan qui zone bien avec son petit point, qui agresse à la street chat. Il attend l'ouverture. Les deux joueurs qui se regardent, ça trade sur l'entière. Le BAMK qui sert pas à grand chose pour l'instant. BAMK. Ça va pas plus loin pour Ryan. Ça joue vraiment à la street. Sonic contre Ghoul. Voilà, Ryan qui charge un peu le Hado pour lui donner les propriétés du Hex. Et évidemment, l'entière, le strong groupier. Pour l'instant, Ryan Kariou solide contre le gars de Misotelou. C'est un beau counterpick pour l'instant. De jouer à l'ancienne, Hadoken encore, Ishara, bien joué, le Tatsu pour passer par-dessus le Hado. Mais Misotelou, quand même en petite difficulté hein, dans ce... Ben, en fait, non, ils sont à peu près à égalité, c'est juste que ça met du temps. Ryan, Banka Hado, on peut pas faire plus à l'ancienne. Voilà, évidemment, le combo qui passe avec le boost derrière. Bien rattrapé par Ryan. Voilà, Tatsu cross-up, bah, gros pied à la Gucci. Pour l'instant, je crois que l'avantage de barre est à Ryan Hart. Petit tag, Dragon derrière, mais il a l'avantage, Ryan Hart. C'est le premier round et Ryan a eu bien raison de counterpick. Allez, Ryan qui passe par-dessus, Sonic et le bas gros pied, Sonic et ça c'est dans la garde, Sonic et BAMK, ça sert à rien, Sonic pour l'instant, BAMK, ah, le flash kick X, Ryan qui le mange pour l'instant, Misotelou qui prend l'avantage, qui bloque le cross-up de Ryan, attention à la boule, ça c'est cancel, le Hadoken qui passe dans la garde, le Sonic, ça traite des deux côtés, voilà bien joué avec cette boule X dans le Sonic normal, ça passe. Pour Ryan, voilà pour l'instant, Misotelou en mode full défense à la 2X. Il se laisse pas approcher, les Sonic qui passent, Ryan qui continue d'avancer, hein, qui rentre dans les Sonic et qui arrive à trouver le boost combo. Ryan qui se rate un petit peu sur ce corner boost. Ryan encore qui se rate un peu, mais il est proche de rapporter la victoire. Ça va finir, ça va faire mal avec le boost dans le coin. Bad petit point. Dagger uppercut, casse-garde. Ils ont tous les deux des barres, la chope qui est trouvée par Misotelou qui recule dans l'espoir de faire Whiffer Dragon avec le Tiger Nyx, la chope qui whiff derrière, c'est pas grave, c'est déchopé de la part de Ryan. Qu'est-ce que ça va bien, oh, double whiff de n'importe quoi. Ça profite au cas des deux joueurs, mais Ryan qui a largement l'avantage de l'énergie, qui n'a plus aucune raison d'avancer. Et Misotelou qui lâche le Metz. Le Metsu Hadoken qui sert pas à grand chose. Ryan, pour l'instant, qui prend le premier match. Bon, ça peut durer, hein, parce que si Ryan reset, il y a encore beaucoup de matchs jusqu'à la fin de la nuit en mode Paris Games Week. Voilà. Est-ce que Misotelou va counterpick? Ça serait marrant, ça. Avec qui peut counter? Avec Blanca, hein. Ça serait rigolo. Ça serait fantastique. Hein. Ah non! Il counterpick l'ordre des persos en mettant Ryu en premier. Et oui, vous avez le droit à du vrai spectacle comme on les a au Slamfest. Ryu contre Ryu à la Street 2 dans Cross Tekken. Voilà, c'est des grands moments passionnants. Ryan, le Ryu bleu contre Misotelou. Ryan qui revient de la loser bracket, qui va devoir gagner beaucoup de matchs s'il veut remporter ce tournoi. Et c'est parti, allez. Ryan Hart, le BAMK, ça s'est bloqué. Hadoken contre Hadoken.
Ryan qui va arriver, hein, les boules normales, les boules un peu chargées. Pour l'instant, Fireball War des deux côtés. Ryan qui, ça peut durer longtemps, hein, cette grande finale en 100% zoning. Ryan qui trouve une ouverture avec le boost. Bah, petit point, bah, MK Dragon. Pour l'instant, allez, la chop trouvée par Misoteru qui tente rien du tout puisque Ryan a roulé. Voilà, oula, c'était le Avrage qui a le deuxième qui passe par Ryan, qui cross up, ça passe dans la garde. Attention Misoteru qui a quand même perdu beaucoup d'énergie. Ryan qui a bien déchopé, qui mange le Basca, la chop trouvée. Ça va Ryan qui va tuer Ryan Orr, pour l'instant impérial dans cette grande finale. Le joueur japonais est déstabilisé par ce changement de Ryu, très très solide du côté de Ryan. Ces deux persos, pas le Ryu, son Ryu de Street 4 Arcade Edition, il est évidemment complètement présent. Voilà, bien joué de la part de Ryan avec ce Exado qui passe complètement dans Ryan qui l'emporte sur le Fireball War. Pour l'instant, de pas grand chose. Et voilà, Alex va les combos, son gros pied, va gros pied. On recule dans l'histoire de Street Fighter avec Misoteru. Pour l'instant, allez Ryan qui continue. Ryan, Baimka, Hadouken. Ryan qui a le gros point, son gros point, qui recule un peu. Bon, ça dort des deux côtés. Voilà, Ryan entière, le dragon, tag qui passe. Misoteru un peu en difficulté, il trouve le dragon avec le Baim. Baimp, saut, vide, passage dans le dos pour mettre le boost combo sur la retombée. Avec le Ryu qui arrive en Shoryu X. Ça passe pour l'instant pour le japonais qui revient petit à petit dans ce match. Ryan qui dominait bien mais qui se fait un petit peu rattraper. Attention, le Sonic. Ryan en retard à l'énergie, il change pour Ryu pour continuer dans ce match. Allez, le stand gros point pour tenter de choper Ryan. Misoteru en mode full défense. Sonic. Voilà, il avance pas Ryan qui trouve l'ouverture, qui cherche le Baimka. Ça passe pas, entière de Misoteru. Impérial, Misoteru qui va chercher le time over. Oh, ça va être compliqué pour Ryan. Regardez cette montagne. Mais comment on peut approcher ça? Comment on peut rentrer dans cette garde? Misoteru, intraitable pour revenir à un route partout. Voilà, c'est de la gestion, hein, faut pas croire. Ce qu'il fait, c'est pas évident. Cette montagne, Ryan n'a rien pu lui faire pendant 20 secondes. Misoteru avait une défense en béton armé. L'avantage est énorme quand vous avez, quand vous faites la course à l'énergie, que vous avez l'avantage de ce côté-là. Allez, Ryan qui trouve l'ouverture avec un boost combo bien confirmé. Et ça termine par une super. Une cross art, une super art pour faire une demi-barre en moins sur le Ryu de Misoteru. Ryan Art qui cherche Tiger Shot, Tiger Shot. Allez, Tiger Shot encore. Ryan pour mener 2-0 dans ce début de grande finale. Le Tatsu cross-up qui passe bien. Bien joué de la part de Ryan qui fait un happy birthday à Cross Tekken qui cherche le cross Tatsu. Ça passe pas. Les Sonic, les Baimka, ça passe pas. Le Hano, gros point. Il joue vraiment à l'ancienne Misoteru et ça marche. Voilà, allez Ryan qui presse. Misoteru qui connaît, qui tente de punir qu'on passe pas la boule X en Claudrette qui passe. Sans gros pied. Shoryuken. Ça passe. Oh là là, double whiff de chop. Attention, saut vite. Petit coup pour finir par boost combo. Mets-toi Hadouken dans le boost combo pour arracher la barre. Misoteru en retard à l'énergie. Ryan qui a aucune raison d'attaquer. Misoteru cette fois-ci évidemment obligé d'attaquer avec le cross-up. Ryan qui confirme pas. Il trade sur le second pied. Ryan qui a juste besoin de camper. Il a aucune raison d'attaquer avec l'avantage à l'énergie. Le compteur à 14, 13. Bien joué Ryan qui a tenté le Tiger DX pour choper derrière, déchoper de la part de Misoteru qui peut plus faire grand chose. Ah il est pas mort, Misoteru qui lâche pas mais ça va être compliqué à revenir. 4, 3, c'est terminé. Pour Ryan Art, s'il remporte le prochain match, il va reset la braquette et on sera reparti pour le premier à 3. C'est fantastique. En tout cas dans ce match qui se joue à l'ancienne, très technique de la part des deux joueurs. Ryan qui domine et Misoteru qui change pas de team, de son avis il connaît que ces deux persos dans Cross Tekken. En tout cas pour l'instant Misoteru qui reprend légèrement l'avantage. Ryan qui lâche rien avec son jeu de Hado. L'anglais qui joue très très bien avec son BMK. Hado qui touche un petit 2 hit à l'énergie, ça agresse pas de aucun côté. Ça fait
ça joue vraiment un classico. Allez, Misotero qui trouve un combo avec le Caravan Kick X, le casse-garde qui est trouvé derrière. Allez, Ryan, la boule X qui lui permet de taguer, ça c'est très bien joué. Ryan qui sort les Ryu de manière safe. Et c'est parti, Misotero repassé en mode camping 4 étoiles évidemment, puisqu'il a l'avantage de l'énergie. Regardez, il n'a aucune raison d'avancer et il n'avance pas et il continue de reculer. Et Misotero, il s'en fout, il agresse, il a attaqué. Il a attaqué avec un 2 hit combo, un valet combo. Ryan qui trouve l'ouverture avec le Sagat, le tag, le dragon. Ryan, passage dans le dos avec ce casse-garde. Tag cancel, maintenant c'est les derrière de la part de Ryan. Tagger shot. Le tag trouvé au bon moment par Misotero qui cherche à agresser avec son Ryu. Il approche sur Ryan cette fois-ci. Ryan qui recule avec son jeu de Tiger. Ryan qui prend le free juggle. Ça passe avec Sovit Chop. Ça passe de pas du tout. Ryan, je crois, légèrement à l'avantage, sans doute à l'énergie avec ce dragon. Il reste 10. Et non, Misotero qui va prendre le time over. Oh, avec la super art. Ça va sans doute suffire pour revenir à l'énergie. Ryan qui tente un desperate move en Tiger Nix. C'est terminé. Ouais, Misotero pour revenir à 1-2 dans le premier set de match. Allez. Ryan vient jouer ça avec cette fin de Hadoken pour pouvoir laisser le Tatsu. Oh, magnifique Tatsu cross-up, Benka Tatsu. Ça c'est du combo. Ryan qui confirme un boost. Balai Punch Dragon sans doute. Voilà, Ryan qui agresse son Sagat. Évidemment qui n'a rien à prouver. Le meilleur Sagat du monde à Street 4. Et voilà, Ryan qui a bourré le Dragon Cancel dans la gare pour faire rentrer le Ryu. Et encore ce Sovid Light de Misotero qui lui permet de revenir. Allez Ryan, faut pas lâcher. Il faut faire le reset maintenant. Waouh, il l'a vu, mais il était un peu loin. Ce super art dans le Hado. Un peu loin. Allez, Ryan. En retard, peut-être pas l'énergie puisqu'il a tout son Ryu. Et voilà, bien joué de la part de Ryan Hart. Avec ce avant HK entière, Tiger Uppercut pour revenir à un route partout. Barrel de reset pour l'anglais. C'est maintenant qu'il faut le mettre parce que ça fera 3-0 pour Ryan Hart. Il aura l'avantage psycho-écologique contre Misotero. Allez, Ryan qui lâche rien, qui trouve le dragon. C'est Misotero. Ah voilà, encore Ryan qui a bourré le dragon de Ryu pour taguer. Allez, l'anglais qui est bien parti, bien bloqué là de la part de Misotero. Ce casse-garde tag cancel, ça c'était bien vu. Ryan, le boost, c'est dans le coin avec le combo Tatsu de Ryu. Attention à la relevée. Oh, voilà, avec ce casse-garde tag cancel, le dragon derrière. Ryan pour le reset, il mange sans gros points. Ryan qui trouve le boost. Les compteurs remis à 0. Ils sont tous les deux à 0. C'est maintenant la grande fin. Quoi qu'il arrive, le premier à 3 matchs remporte cette grande finale. Et que vous dire si ce n'est que Ryan est extrêmement bien parti, puisqu'il vient de mettre 3-0 sec aux Japonais. Ryan qui a fait le counter-pick parfait en choisissant Ryu à la place de Lars. Comme quoi, même dans les autres jeux, il n'y a que comme on joue à Street 4 qu'on gagne. En tout cas, à Cross Tekken. C'est ce que prouvent nos deux joueurs. Misotero qui va peut-être varier dans son set de gemmes. Avec voilà les gemmes jaunes, c'est les gemmes de défense. Qui permettent dans certaines conditions, on va dire, de perdre moins de vie. Allez, c'est la grande finale de Street Fighter Cross Tekken. Ryan Hart, le premier à 3, comme on dit. Pour l'instant, Ryan solide et Misotero qui trouve l'ouverture à l'ancienne, presque une demi-barre de passé. Ryan qui fait passage dans le dos, qui mange le dragon, le Tatsu qui passe pour Misotero qui met pas gros pied derrière alors que Ryan faisait le vrai combo. Et évidemment, ça c'est puni par Misotero. Allez, Ryan, Tiger Shot, Ryan en retard à l'énergie dans ce début de super grande finale. Ça serait dommage de lâcher maintenant Ryan après être venu aussi loin. Voilà le Shoryu X. BMP, flash kick, le combo, le classico. Allez, Misotero qui agresse un peu plus hein, dans ce dernier set. Ryan qui passe par-dessus le Sonic. Allez, Farian Bouloir, c'est reparti pour un tour. Le Sonic Boom dans la retombée. Ryan qui recule, Misotero qui trouve le bas gros pied. Attention, Misotero qui tente un tic-pro. Ça passe pas, mais largement à l'avantage de l'énergie. Il n'a plus qu'à camper là, le japonais. Allez, Misotero qui ramasse la chope, qui doit reprendre du poids de la bête. Il a mangé 3-0
Il faut qu'il nous remonte sa solidité à toute épreuve. Le caravan-pied ex. Maintenant qu'ils sont à égalité, il va y avoir du sport. Mise au terreau. Qui place son flash kick, voilà, c'est comme ça qu'il en profite pour taguer. Mais t'as pas le temps de taguer derrière ça. Et Ryan en profite pour revenir. Mise au terreau en danger, bloqué dans le coin. Ryan, oh, encore c'est Agarni ex. Dragons derrière dans le blockstun. Attention, mise au terreau. Voilà. Il reste 10 secondes, je pense que Ryan a l'avantage. Ryan en mode full camp. Il met un tagger uppercut entière. Bisoterou qui lâche. Oh, ça passe. Oh là 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 là. Ce round complètement fou avec un Tatsu qui est passé sur Tiger Shot. Bisoterou, il est jamais mort, même à une seconde de la fin quand il a plus de vie. Fausse soirée à Marvel. Allez, mise au Théou là, qui remonte bien pour peut-être mener 1-0 dans le dernier grand set. Ryan, forcément un peu déstabilisé, il avait tout pour lui. Et mise au Théou qui fait même pas le vrai combo, il s'en fout. Ça fait arrache quand même la barre, presque un quart de barre. Ryan, psychologiquement totalement déstabilisé par ce qui vient de se passer. Mise au Théou qui ne meurt pas. Allez, Ryan qui presse, le BMK. Voilà, Hadoken X pour passer là-dedans, le Metz. Allez, le Sonic, c'est bloqué. Ryan, Tiger Shot, Tiger Shot. Sonic, Sonic, Sonic. Et... allez, Ryan qui cherche l'entier. Encore ce saut vide, Light. Ça passe à l'infini quand il fait ça, le japonais. Ryan qui tente la même chose, mais lui, ça marche pas du tout. Il ramasse Dragon. Voilà, Chop, attention à la relevée, attention à la relevée. Il saute en arrière pour faire whiffer le Dragon. Avant HK, avant HK. Dragon X avec Shoryu derrière. Ryan tire bien, et voilà, casse-garde. Ryan Hart, en route partout. Ça peut encore durer, hein, cette grande finale. Qui aura ma peau. Allez, l'entière que trouvé dans le Shoryu. Mise au terreau, pour l'instant, très très solide. Le magre au pied, avec une sorte de second point whiff shop, qui n'est pas du tout passé. Encore, il voit tout, le japonais, cette fois-ci ça passe. La super art dans le Hadoken. On est vraiment à Street 4, c'est assez incroyable. Venez voir, je veux comme ça, à l'ancienne. Voilà, le Tatsu, cross-up bizarre, qui passe quand même. Très, gros, très bon jeu de distance hein, de Mise au Théou. Ryan, pour l'instant, qui reprend un peu de distance. Capital, hein, ce premier match dans ce dernier set de grande finale. Ryan, allez, Ryan qui dash après une fin de Hadoken. Bien joué, bien anticipé la roulade, mais ça n'a pas suffi pour toucher. Ah, oh, ça va être ça, ils ont à égalité à l'énergie. Ça peut encore durer. Hadoken, Hadoken. Le bagre au pied, pas vraiment puni. Le maître, ça c'est dans la garde. Mise au terreau qui va approcher un petit peu. Il est légèrement en retard à l'énergie. Il est obligé d'avancer. Le Ryu blanc. Le Ryu japonais. Allez. Mise au terreau qui cherche le BMK. Qui trouve pas. Ryan qui zone parfaitement, regardez ce jeu de distance parfait. Et c'est puni, évidemment. Enfin, mise au terreau, je fais une grosse erreur sur ce Tatsu cross-up de Ryan qui doit absolument taguer. Ryan qui envoie. Mais pourquoi il a pas tagué? Mais pourquoi il a pas tagué? Il pouvait. Ryan qui prend des risques là, quand même, il veut tuer mise au terreau. Il veut pas changer, il veut le tuer maintenant. Regardez, ils ont presque plus de barres. Ils vont pas taguer, ils jouent à la mort. Le premier qui touche, c'est Bushido Blade. C'est Bushido Blade. Et c'est mise au terreau qui gagne. À la barbarian, il lui a décapité le pied avec un BHK. 1-0 pour Mise au Théou. C'est bien ça, 1-0. Hein. 1-0. Ça, c'était tellement serré. Ils osent même plus taguer. Hein. Ils se rappellent même plus qu'ils sont à Cross Tekken. Hein. C'est, ils jouent à Street 4. Et en tout cas, Mise au Théou qui revient de loin. Après avoir pris Pit Fight 3, il prend enfin un match à Ryan. Et il prend l'avantage dans ce dernier set. Ryan qui va devoir... bah je sais pas en fait. Il joue bien quoi. Donc ça joue tellement à pas grand chose qu'il n'y a pas grand chose à dire pour ces deux joueurs qui jouent parfaitement à Street Fighter. Et voilà. Incroyable. Ce Tatsu cross-up qui casse en fait le Shoryuken avec le bon zoning. Voilà. Ouh, finalement ça s'est puni par bas gros pied. Encore ce saut vide de Mise au Théou. Mais cette fois-ci c'était pas un light derrière. Ça passe pas. Hadoken, Hadoken, Mise au Théou qui a repris un peu de puissance depuis le Risen Bracket. Mise au Théou qui trouve un trop hit classique. Flash kick, il a le temps de le mettre dans la charge. Et voilà, le saga de Ryan qui en trompe, qui mange flash kick.
Passage dans le dos encore. Passage dans le dos vite pour mettre le petit derrière. Et mise au Théou qui revient avec un double tac combo. Ça, c'est échauffé. Ryan en difficulté alors qu'il avait mis 3-0. Ah là 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 là. L'anglais qui commence à reculer sous le jeu tellement solide de Mise au Théou. Mise au Théou qui prend Tiger Nix avec la branche. Oh, le Tiger uppercut qui ouvre derrière. Ça va coûter cher à Ryan. Ryan qui confirme en bouche combo, ça c'est bien. Allez, faut tuer tout de suite le Ryu. Et voilà, casse-garde. Il meurt pas. Et si, il finit par mourir. Un round à zéro pour Ryan. Allez, Ryan, pour l'instant, voilà, qui zone bien. Hadoken encore. Le BAMK qui whiff entière. Ryan qui passe en mode full zoning. Il prend même plus de risques. Avec un saut vite puni par chop de Mise au Théou. Mise au Théou qui saute en arrière en anticipation de roulade. Ça s'est échauffé de la part de Ryan. Ryan, saut vertical sur le Hadoken. Voilà le Hadoken pour l'instant. Le casse-garde de Hex trouvé avec combo derrière. Ryan qui se rate un petit peu sur la fin de son combo, c'est pas grave. Il prend le wake up. Mais il aura, il a eu une Mise au Théou. Eu un passage dans le dos saut vide. La chope qui passe derrière, ça tue. Ryan Hart. Un match partout. Un match partout. The Prodigal Sound. Toujours en piste. Ryan qui lâche rien. Et il a raison. Ça va être serré, hein. Ça va finir à deux partout, un route partout. Voilà, Ryan, le Tatsu encore qui ne l'aide pas à passer par-dessus les boules dans Cross Tekken avec un Tatsu Jumping Whip qui est tout à fait puni par la chope. Ça s'est déchopé. Ryan en retard à l'énergie pour l'instant. Mise au Théou très solide. Il manque un Shoryu entière. Ryan qui feinte avec un BMK Ado Cancel. Le Tatsu Cross Up mal puni par Ryan. Ça trade, combat trade avec une demi-barre en retard. Ryan qui trouve l'ouverture sur le Rotag et qui punit avec le Light Tiger Uppercut. Le jump in, ça passe pas pour Ryan. Zanik et Mise au Théou en défense, légèrement en retard à l'énergie, le japonais. Allez, Ryan qui continue d'agresser, mais y a pas de temps mort ou quoi dans tout ça. C'est déchopé. Le Sonic à close range, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Allez, Mise au Théou qui tag pour Ryu. Attention à l'énergie, il est en retard à l'énergie cette fois-ci, le japonais. Faut pas lâcher la chope pour remettre Ryan dans le coin. Ryan, Tiger, ça c'est safe, pas de problème. Allez, Ryan qui backdash pour éviter un bagro pied des familles. Mise au Théou qui cherche le BMK, qui trouve le bagro pied avec son Tatsu qui cette fois-ci intercepté par le Tiger Uppercut. Un free juggle, Ryan Hart. Balle de 2-1 pour Ryan Hart. Allez, c'est loin d'être terminé. Ryan Hart, 1-0, un route à 0. Ah, il mange cette fois-ci le Hadoken. Mise au Théou qui lâche rien. Cette solidité a coûté preuve du japonais. Ryan, toujours avec son jeu de... Et voilà, le Dragon bien passé en Rex qui permet le tag combo derrière et c'est autour de Mise au Théou. BAMP évidemment. Avec le flash kick. Et Cancel avec un retax particulier. Il s'est un peu raté là-dessus, Mise au Théou. Mais il a largement l'avantage entière. Allez, Ryan, il faut qu'il trouve le moyen de sortir safe son Sagat. Peut-être en plaçant un boost combo. Et voilà, il peut faire rentrer le Ryu. Et ça peut tout changer. Ryan qui rate le Tatsu. C'est pas grave, il mange sur Ryu. Backdash sur le casse-garde. Deschop de Ryan. Ah, mais incroyable le nombre de deschops qu'ils font. C'est incroyable parce que c'est pas la même à Cross Tekken qu'à Street 4. Et Ryan qui bourre le Dragon, il fait une Mise au Théou, passage dans le dos vide light, ça passe pas contre Mise au Théou, une Mise au Théou. Et là c'est bloqué, Ryan attention parce qu'au moindre combo, bien tagué de la part de Ryan qui refait rentrer le Ryu save. Ryan il save, faut qu'il gagne ce round pour s'offrir un round de match. Allez. Oh là 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 là. Il revient de loin. Un round partout. Un route partout et Ryan Hart qui lâche rien. Mais Mise au Théou, il y a un match partout, un route partout, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ce match. Miroir à beaucoup d'égards, miroir dans le style, miroir dans les persos, dans le zoning. Ryan qui lâche la boule X
Le Tatsumaki, Lotero qui évite mieux les Ado Ryan, voilà. Le Shoryu, réaction parfaitement exécutée. L'anglais qui trouve. Ah, le PMK qui whiff. C'est un combo qui passera pas. Encore, c'est Tatsu cross-up. Ah là 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 là, ça whiff des deux côtés là sur le boost combo. Des côtés de Mizotero, Mizotero, Hadoken. Hadoken, il trouve l'ouverture. Mizotero avec un bas HK. Ça confirme pas sur le BMP. Ryan Hart avec un Tatsu. Encore Tatsu. Il met une sorte de pressing infini. Le boost combo qui est un petit peu loin pour passer. Ryan qui trouve le Shoryu X. Avec la guerre upper que derrière Ryan pour mener 2-1. La shop qui passe. Ça va pas tuer, faut pas qu'il tag. Oh, le Tiger Shot. Match de match pour Ryan. 2-1. On approche peut-être de la fin. Peut-être la fin. Allez. Allez, Ryan Hart, cette fois-ci. Ryan Hart, pour l'instant, en difficulté dans ce match, puisqu'il mange une demi-barre de vie déjà perdue. Oh, le Shoryu de Ryan qui passe dans le vide, c'est pas bon ça. Ryan qui tag pour Sagat, il a pas le temps de mettre sa garde. Il va manger. Wool combo, Wool Boons. Mizotero qui continue de presser. Bashka, il cherche le Tatsu cross-up, ça passe pas. Intercepté par le Tiger Uppercut. Shoryuken rendu avec le casse-garde là qui fait entière un petit peu. Allez, Sonic, c'est dans la garde. Tiger Shot, Tiger Shot, Tiger Shot. Ryan, qu'on voit tout ce qu'il a. Il veut pas perdre l'avantage qu'il a de deux matchs 1. Il veut pas être en danger. Il retrouve son jeu, ce Fireball War de Street Cat Vanilla. Et Mizotero qui veut prendre ce round pour se mettre hors de danger. Mizotero qui lâche rien. Le Sonic qui passe. Ryan en difficulté, qui retag. Il n'avait pas trop de choix pour Ryu. Anti-air, assez chaud. Ce round, il a l'air compliqué pour Ryan. Hein. Ça va être difficile. Ça va être compliqué. Et voilà. Allez, balle de deux matchs partout, je vous l'avais promis, pour Mizotero entière. Ce magro point du plaisir. Allez, Hadoken, Hadoken, Hadoken. Le tag, pas beaucoup de dégâts pris par le Guile. Il choisit pour combattre Ryu, Mizotero, le jeu de Sonic. S'approche lentement. Voilà, il évite de peu là ce stand HK, mais il manque la boule X dans son Sonic. Sonic Boom, encore la Fireball War qui est engagée. Ryan qui trouve le stand gros point. Ryan Hart encore, Sonic. Allez, Banka, Hadoken. Mizotero qui approche doucement. AMP. Et voilà, intercepté en footer arrière, il a rien fait derrière, il mange le Shoryu X avec l'arrivée de boost combo. Bien puni la part de Ryan qui fait Happy Birthday dans les boost combo raté. Oh, il fait Dragon dans la garde, il a raté quelque chose. Il mange Dragon X en punition de Mizotero qui revient. Ryan qui va s'en vouloir hein, avec ce Dragon puni. Oh, Mizotero, deux matchs partout. C'est donc loin d'être terminé puisqu'il y a deux matchs partout. Celui qui gagne ce match remporte le tournoi. Je vous le jure, c'est le dernier match, quoi qu'il arrive. Avec Mizotero pour l'instant en difficulté par le Ranger Ryan qui pense au jeu de Sonic. Mizotero avec ce BMP, Tatsu, Chop, ça s'est déchopé. Hadoken. Encore Fireball War engagé par Ryan Hart. Mizotero qui lâche l'affaire, qui recule en Tatsu. Il tente de reprendre un peu de pression avec son jeu de Hado. Pour l'instant, ça charge sur tous les bars. Ça permet en tout cas à Ryan de taguer pour gagner ce jeu de boule. Voilà, Mizotero obligé d'attaquer sur le jeu de Tiger Shot. Ryan qui passe son Dragon. Attention au casse-garde. Ryan qui saute, ça trade sur le Shoryu. Oh, superbe, le Shoryu X qui passe. Ryan pour s'offrir une balle de match. Ryan Hart. Pas de match! C'est peut-être la fin! Allez! Ryan qui lâche pas l'affaire.
Hadoken du côté de Misoteru. Ryan qui pour l'instant qui bloque bien l'agression en jumping de Misoteru qui recule. Misoteru qui saute par-dessus le Hado, attention. Misoteru qui mange le stand Ashka dans sa tentative de Tatsu, je sais pas quoi. Parce que ça pouvait pas faire qu'on soit pas à cette distance. Bashka c'est pas vraiment puni, ni d'un côté ni de l'autre. Entière. Encore cette fois-ci, il mange le Tatsu. Ryan, ça fait rien. Misoteru qui fait whiffer un coup pour placer Chop qui recule et qui passe le combo au bon moment. Ryan qui bourre un Shoryu ex, un Shoryu ta cancel dans la garde pour pouvoir avec sa gâte et qui confirme ce 4 hit encore. HK. Misoteru en retard à l'Ederju. Ryan pour l'instant qui s'approche de la victoire de ce Stunfest. Ryan qui continue. Ryan, qu'est-ce qu'il est où? Tiger shot. Allez, Misoteru, t'es obligé d'attaquer maintenant pour venir à un partout, pour promettre un vrai sudden match. Ça serait magnifique à Cross Tekken. Allez, le Japonais est obligé d'agresser, hein. C'est pas trop naturel pour son jeu, mais il a pas trop de choix. Pour l'instant, il a une garde en fer, les Sonic qui pleuvent. De son côté, il résiste au jeu de Tiger Shot de Ryan. Misoteru. Sonic, encore. Ça peut durer, mais il faut qu'il agresse. Même s'il a l'avantage légèrement à l'énergie. Mais oui, il peut gagner ce round au time over. C'est ce que peut-être qu'il m'attend. Fallait pas agresser, t'avais l'avantage. Allez, il a encore l'avantage. Il a l'avantage à l'énergie. Misoteru qui va passer en mode full config chanois. Les boutons qui font pas bruit. Misoteru, le roi de la camp, le roi du Sonic. Ryan, casse-garde. Misoteru, un route partout, c'est la fin, quoi qu'il arrive, je vous l'avais dit, deux matchs partout, un route partout, une grande finale, extrêmement serrée, peu importe le vainqueur, deux joueurs exceptionnels, Misoteru qui en zonant, encore pas, en jouant à l'énergie, a prouvé la meilleure défense, c'est le combat de Seiya contre Shiryu, et oui, Chevalier Pégase contre le meilleur bouclier, la meilleure attaque, tout ça, quoi qu'il en soit, il résiste parfaitement pour l'instant. Misoteru, Ryan, Misoteru qui va devoir attaquer. Il peut pas appliquer son plan de jeu, il est en retard à l'énergie. Le Shoryu X qui passe sur Misoteru, le BMP qui whiff derrière. Misoteru, le Sonic, ça passe pas. Misoteru, Sonic et... Et ça passe pour Ryan Hart. Voilà, le combo de Sagat en arrivée du boost combo. Il passe par-dessus, la chope trouvée après le hit frame. Et ça punit, Ryan qui punit. Ryan Hart, happy birthday! L'Europe qui remporte ce tournoi de Street Cross Tekken. Ryan Hart, on applaudit Misoteru, le meilleur joueur de Street Fighter 4 à Street Cross Tekken. Ryan, so this was the best Street Fighter Cross Tekken title ever. You know what I mean? Yeah, this was like a Street Fighter 4 old school kind of game. Yes. He has a huge defense. Yeah. How can you beat that? How can you beat him? Because each time he had, you know, the advantage in energy, he just go back and defense. Yeah. What was in your mind? Well, I mean, he was using the meter, like the energy bars, really well. Obviously, when he had the life lead, he would run away, use the clock to his advantage. And that made it really tough for me. But obviously, like, if he walks back, he's going to end up in the corner. And once he's in the corner, I've got more options. So I didn't actually mind him running away. And towards the end, I realized that he wasn't as effective against my Sagat with Ryu. He was better in the mirror. So I started tagging out to Sagat and getting the lead like that, and then using Ryu to fight Guile, and that worked for me. Well, on peut l'applaudir parce qu'il est revenu de loin. Il a remonté la loser bracket. Évidemment, il expliquait en fait que Misoteru jouait très bien à l'énergie. Évidemment, il reculait dès qu'il avait l'avantage, une défense parfaite. Mais quand il était dans le coin, bah, il pouvait plus reculer. Et à la fin, Ryan a aussi compris que son Sagat était meilleur contre Ryu qu'en match mirror. Donc ça s'est joué vraiment à la stratégie. C'était une grande finale. Et le Stunfest 2013, voilà, te remet. Hello, Ryan Hart, le champion de Cross Tekken, Stunfest 2013. Et Misoteru également, le numéro 2 du tournoi. Il a des lots aussi. Pour Misoteru. Lars, pour Ryan, c'est quoi? Ryan, ok. Misoteru, c'est quoi? Non mais. Ok, Ryan, we need you. C'est Yaku. So, can you ask him
does he play the game, or you know, what do you think about the game, and does he want to continue playing the game, like really playing the game, and not only the Street Fighter style? 普段はこのゲームやってるけど、どう？このゲームどう思う？どう？これからずっとやり続けるんですか？このゲームは稼働初期にものすごくやっていて、Xbox ランキングで1位になりました。で、それからなんかバージョンが変わるということで、その一時離れて、今回のバージョンでなんかみんながやってるって聞いて、まあもう一回再出発してみようかなと思ったので、ちょっと続けてみようかなとは思います。So, he really likes the game.And he said that when Street Fighter Cross Tekken first came out, he actually played it a lot ranked online, and he actually became number one on Xbox Live ranked. He was the number one player. And when the new version came out, he you know, had a break like everyone did. And you know, in Japan, they kind of all agreed that they would start playing again. So he's joined everyone else in Japan playing it again, and he's really enjoying the game. Voilà, on peut applaudir l'ancien numéro 1 du Xbox Live au Japon sur Cross Tekken qui se remet au jeu